Aujourd'hui, on va vous parler de Matrix Résurrection. Et en fait, moi, j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'avais bien aimé Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Et si on avait une discussion apaisée et calme à ce sujet? Je pense qu'il y a moyen qu'on ait une discussion apaisée et très calme. Explique-moi pourquoi t'as aimé. Moi, j'ai aimé Matrix Résurrection. Alors déjà parce que j'avais pas une très grande attente non plus de fou. J'ai beaucoup aimé la trilogie initiale. Je suis toujours un peu sceptique sur les suites, les préquels, les machins, tout ça. Donc je m'attendais pas non plus à un truc foufou. J'avais pas une attente de fan incroyable. Donc j'ai été quand même agréablement surprise. Et j'ai aimé parce que, en fait, pour moi, Matrix 4, c'est une comédie romantique. Et j'aime bien les comédies romantiques. Moi, j'ai pas aimé Matrix 4 parce que j'ai l'impression que toute l'histoire de Matrix 4, c'est qu'il y a quelque part dans une cave de la Warner, la licence Matrix, tu vois, qu'elle a un pistolet sur la tempe et qu'il y a 2 ans et demi à peu près, on a envoyé une photo à Lana Wachowski en lui disant « c'est maintenant ou jamais », tu vois. Et je pense que toute l'essence de ce film est le moment où elle s'est dit « tant qu'à faire une énorme bouse, autant que je la fasse moi-même plutôt que je laisse quelqu'un d'autre détruire mon œuvre ». Pour moi, c'est vraiment, tu sais, le dernier baroud d'honneur d'un film qui se laisse mourir en se regardant avec un regard qui se veut un peu satirique mais du coup qui ne prend pas. Mais surtout, explique-moi comment Matrix c'est une comédie romantique. Alors déjà, moi je trouve que, je serais Lana Wachowski et on me dit je t'offre Keanu Reeves et je t'offre Carrie Ann Moss pour faire un 4. En fait, même s'il n'y a pas de scénario, je le fais quoi. Parce que c'est un peu trop magique. Et en effet, pourquoi ce serait pas elle qui le ferait? Autant que ce soit elle qui le fasse. Et vu qu'il n'y a pas de scénario, ça marche donc bien. Et en fait, si, il y a un scénario qui explique que, en fait, la matrice, la nouvelle matrice, celle qui est dans le 4, elle ne survit et elle n'existe que grâce à l'énergie que dégagent Trinity et Neo, qui sont dans leur cocon l'un à côté de l'autre, et que leur énergie, en fait, c'est ça qui fait que la matrice fonctionne. Et en fait, tout le but du film, ça va être qu'ils sortent de la matrice et qu'ils se retrouvent. Et ce qui arrive, spoiler alerte, ils se retrouvent. Moi, ce que j'aime pas avec ça, c'est que je trouve que vraiment, pour moi, l'imaginaire que j'avais autour de Matrix, ce qui fait que moi, j'ai vraiment surtout beaucoup aimé le 1 et trouvé les 2 et 3 un peu plus passables, c'est qu'il y avait ce côté un peu incroyable de « c'est un film au moment où Internet, c'était un peu de la magie ». Qui décidait de faire d'Internet une espèce de récit mythologique. En mode, Internet, c'est un autre monde, mais c'est pas un autre monde de tes parents te racontent qu'il faut pas aller dedans car c'est dangereux. Non, c'est un vrai autre monde avec ses codes, ses lois, ses êtres, ses monstres, et ainsi de suite. Et pour moi, ce qui faisait toute la charge de Matrix, en fait, c'était que cet ailleurs, qui avait ses codes, qu'on comprenait, qu'on tâtait du doigt, était empli, en effet, d'une mystique, avec tout ce truc de l'élu, mais qui reprenait tous les codes du récit mythologique, classique, la quête du héros, le mentor, et ainsi de suite, mais en l'adaptant, en créant, donc c'est ça, cette nouvelle mythologie contemporaine. C'est vrai que moi, l'histoire d'amour entre les deux, je la trouvais mignonne, mais surtout un outil narratif qui faisait avancer l'histoire. Ah, moi, je pense que c'est clairement ça dans la trilogie. Tu es l'élu, donc tu ne peux pas mourir, machin, blabla, c'est quand même pratique, on va pas se mentir. Bah, oui. Mais du coup, oui, c'était clairement pas central. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était toutes ces inventions autour de cette mythologie. Ce que j'ai vraiment eu du mal avec le 4, c'est que j'ai l'impression qu'en effet, peut-être pour servir cette romance, mais il digérait l'intégralité de ce qui étaient les bonnes trouvailles des 3 premiers, parce qu'il y en a eu aussi quelques-unes dans le 2 et le 3, et il en faisait un espèce de gloubi-boulga vraiment un peu ignoble, qui était complètement pour être satirique en fait, pour produire un produit satirique sur lui-même. Et particulièrement les scènes qui m'ont choqué là-dessus, ça va être celle où on revoit du coup ce pauvre acteur français. Ah ouais, non, mais alors ça on est d'accord. Mais le problème, on cut Lambert Wilson. C'est Lambert Wilson, moi, tu n'as pas à apparaître dans ce film. C'est tellement emblématique du film. On se dit, non mais en vrai c'est quand même un Matrix, va falloir faire du référentiel. Mais on va le faire, mais en satirique. On va se moquer de nous-mêmes. Du coup, ça va passer. Et en fait, j'y arrive pas. C'est bête à dire, mais moi j'ai vraiment l'impression que quand un film essaye de faire sans enjeu narratif pour simplement être une satire de lui-même, il y a besoin d'avoir un discours derrière qui est hyper fort sur, je sais pas, la société, sur quelque chose en tout cas qui soit pas juste lui-même. Sinon, j'ai l'impression que le film s'auto-dévore et moi, l'histoire d'amour, elle m'a pas suffi, quoi.
Et bien alors moi, je trouve que ce qui se passe, c'est que j'attends impatiemment que Lana Wachowski, elle crée un nouvel univers et un nouveau film, mais qu'elle part de Matrix et que en fait Matrix, la trilogie départ, il n'y a plus rien à en dire. Enfin, je veux dire, elle a inventé des codes narratifs, elle a inventé une manière de faire pour avoir revu le 1, ça n'a pas vieilli d'un pouce, quoi. Les scènes d'action sont absolument folles furieuses. Le film, il a 20 ans, donc on n'était pas du tout avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. La musique, elle est incroyable. L'histoire est folle. Mais aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. Et du coup, on peut pas réinventer le show d'aujourd'hui en partant de Matrix. On peut pas réinventer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait un truc pour les fans. On fait plein de petites références avec le chat qui s'appelle Déjà Vu. On fait intervenir des anciens acteurs. Moi, c'est quand même un plaisir fou de voir Keanu Reeves et Carrie Anne Moss qui sont les acteurs d'origine. Il me manque Laurence Fishburne. J'aurais vraiment bien aimé qu'il soit là dans le casting, mais bon, dommage. Donc, il y a plein de petites références comme ça. Donc, le Mérovingien, lui, non, ça, c'était vraiment, vraiment pas nécessaire, on est d'accord. Après, je pense que ça parle un peu du monde d'aujourd'hui technologique sur la fake news, le pouvoir des algorithmes, le machin, mais de manière très légère. Et je pense que, moi, j'attendais pas un discours politique et j'ai pas pris une claque comme j'ai pris sur le premier. Mais du coup, moi, l'histoire d'amour, elle m'a suffi. Et après, moi, ce que j'ai aimé aussi, et j'y ai vu un truc un peu onirique et assez puissant, même si le personnage de Trinity, il est quand même un peu en deçà dans tout le film, parce qu'elle est encore, pendant très longtemps dans le film, elle est dans la matrice. Et à partir du moment où elle sort, en fait, c'est elle qui vole. Lui, il peut plus voler. Elle qui vole. Et pour moi, ça, c'est, on échange un peu les rôles. Donc en fait, c'est elle qui a les pouvoirs un peu d'élu. Et lui, plus. Bon, je crois qu'on ne sera pas d'accord, Sandra. Non, on ne sera pas d'accord, mais tu es quand même d'accord que c'est une histoire d'amour. Et que pour les gens qui aiment les histoires d'amour, ils peuvent aller le voir. Et tu es d'accord que c'est peut-être une belle histoire d'amour, mais un mauvais film ? Non, je ne dirais pas que c'est un mauvais film. Non, j'ai trop de respect pour Lana Wachowski. Et bah, c'était nos avis tout à fait similaires sur ce magnifique film, cette comédie romantique, comme elle a été si bien marketée, de Matrix Resurrections.